Alexandre, arrivé le 20 janvier 2023 dans les 12 coups de midi en éliminant le champion Stéphane, n'aura participé qu'à 3 émissions. Des faits, le jeune homme s'est entretenu auprès de Télé Loisirs. Débarqué le 20 janvier 2023 dans les 12 coups de midi, Alexandre, jeune étudiant en médecine de 21 ans, a profité de la grosse performance de Sarah, concurrente éphémère, pour s'installer sur le siège des maîtres de midi. En effet, cette dernière était venue à bout du grand Stéphane, mettant un terme au parcours exceptionnel de l'ouvrier de la Haute-Marne. Mais alors qu'Alexandre avait montré de belles connaissances, marquées par un joli coup de maître à 20 000 euros ce 22 janvier, le candidat vient de tomber ce 23 janvier. Pour Télé Loisirs, il explique ce qu'il va faire de la jolie somme remportée dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. Pour Alexandre, cet argent n'était que du bonus. Le jeune homme originaire de Charente n'arrivait pas dans le programme avec de grandes ambitions. Je voulais juste ne pas être ridicule, confie-t-il, avant de poursuivre qu'il espérait au moins faire aussi bien que deux de ses amis, anciens participants au jeu de la Une, arrivés en deuxième manche. Vainqueur à 3 reprises, sur un malentendu selon lui, le jeune homme qui étudie à Poitiers repart toutefois avec la modique somme de 10 000 150 euros et un beau voyage de 3 jours qu'il compte utiliser au plus vite. Ma participation n'a été que du bonus pour moi, admet-il, même s'il s'avoue ravi de l'issue de son expérience. Alexandre dévoile comment il va utiliser son argent âgé de 21 ans, l'argent récolté grâce à son parcours dans le programme télévisé va lui donner un sacré coup de pouce dans la vie. Je vais utiliser 90% de ces gains pour mes études. Cette somme va m'éviter de faire un emprunt plus conséquent que celui qui était prévu, explique-t-il. Avec le reste, Alexandre compte toutefois se faire un petit plaisir. Je vais organiser un voyage, j'aime beaucoup voyager. L'année dernière, j'ai fait un tour d'Europe. Je vais me faire plaisir comme je peux, sourit-il. Enjoué et sympathique, le jeune homme finit par décrire son parcours comme quelque chose d'incroyable, même s'il exprime un petit regret, je n'aurais jamais eu la petite enceinte en forme de lapin. À lire aussi les 12 coups de midi, pourquoi Stéphane ne touchera-t-il pas l'intégralité de ses gains ?